get to hear me now. If you get to hear me now. Yep tout le monde, c'est Maxime moi, on se retrouve sur, et ben, tout simplement, vous allez voir, je vais vous faire un visionnage de la vidéo que j'ai fait tout à l'heure, vous allez voir, c'est une merveille. La toile de tente, c'était vraiment magnifique. Alors, vous allez voir tout ça en vidéo. Voilà, n'hésitez pas, comme je dirais à la fin, à lâcher des pouces bleus, à vous abonner si vous aimez cette vidéo. Et si vous avez cette toile de tente, n'hésitez pas à l'acheter, c'est pas mal. J'ai acheté 50€ sur Wish. Franchement, 4 places, 50€. Maintenant, les quichua, elles coûtent 100€ à 4 places. Je vous le dis. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus. À vous abonner, j'aurais dit. Et à partager la vidéo. Allez, bon visionnage. Ciao. Il a commencé. J'ai commencé un peu à mettre déjà la première machine. Il faudra mettre des piquets. Je vais aller les mettre. Bon, vous les mettez. Bon, moi, j'ai testé déjà un petit peu, soit dans le premier trou, soit dans le deuxième. Voilà, mais alors là, je vais pas le mettre là. Je vais le mettre là pour voir si ça dit mieux. Je vous dirai si c'est là ou là après la fin. Voilà. Alors, bon, vous mettez bien sûr sur les quatre côtés. Bon, non, je vais faire une pause et j'arrive dans un instant dès que c'est machiné. Et ben voilà, bon, les quatre piquets sont rentrés. Bon, sauf le dernier qui m'a fait chier. Il y avait une pierre en dessous. Bon, il y a quoi? Il y a 3 cm. Bon, je sais pas, de toute façon, c'est juste pour vous faire voir comment on la monte. Après, on va attaquer par tout simplement ces petits trucs, comme vous voyez, qu'on va mettre en diagonale. Ça veut dire qu'on va mettre de mon pied à l'arbre là-bas et de ce machin à ce machin. Voilà, je vais installer tout ça et j'arrive dans un instant. Et voilà, bon alors j'ai bien compris, il faut mettre, comme vous voyez, les barres que j'ai mis là. On les met bien sûr en diagonale, comme j'ai fait. Alors, vous voyez, il y a les deux petits trous, alors il faut la mettre sur le premier trou. Parfaitement, parce que si vous mettez sur l'autre là, et ben voilà, ben, c'est moins tendu, moins costaud. Je vous ferai voir l'intérieur juste à la fin. Et on va vous faire voir maintenant comment mettre la deuxième couche, parce qu'il y a deux couches. Alors la couche elle est là. Elle va être mise dessus et puis j'arrive dans, dès que je l'ai mis, je vous fais voir. De toute façon, la couche ce sera simple, ce sera des ficelles qui vont s'attacher à ras des piquets. Voilà. J'ai fini de mettre la deuxième couche, sauf que maintenant j'ai mis les cordes au piquet. À chaque piquet, j'ai mis même des piquets là. Tous les piquets sont utilisés, sauf qu'il nous faut maintenant mettre cette grande barre, comme vous voyez. Et cette grande barre, il faut la mettre tout simplement sur en dessous de cette rayure. Alors vous la mettez du long au long. Que je vais mettre juste après. Et puis après j'aurai fini. Et puis après, bon, après il y a juste pour ceux qui veulent mettre ça, vous attachez, vous mettez là. Vous tirez jusqu'en bas avec ces cordes. Et vous tendez, vous tirez. Dès que vous avez fait tout ça, et ben les mises. Et puis maintenant, je vais vous faire voir après juste l'intérieur. Vous voyez en haut. Et maintenant on va passer à l'intérieur. Ben, à l'intérieur, je vais vous faire voir, il y a double couche, ça veut dire qu'il y a moustiquaire et tout. Et puis de toute façon, on va aller direction intérieure. Si ça vous dit, on va partir tout de suite. Allez. Vous voyez en haut. Et maintenant on va passer à l'intérieur. Ben, à l'intérieur, je vais vous faire voir, il y a double couche, ça veut dire qu'il y a moustiquaire et tout. Et puis de toute façon, on va aller direction intérieure. Si ça vous dit, on va partir tout de suite. Allez. Voilà, voilà, voilà. Alors j'ai commencé à ouvrir. On va ouvrir là maintenant. Hop, voilà. Bon, bien sûr, il faudra que je fasse un petit ménage. Putain, mais j'ai déjà sali moi là, le truc. Oh là là. Là, j'ai déjà fait un peu, comme vous voyez. Voilà. Alors là, il y a la fenêtre qui donne exactement à une petite moustiquaire. Et là, comme vous voyez. Alors là, vous fermez quand vous faites dodo, par exemple. Enfin, quand vous dormez, vous fermez tout. Et là, comme quoi vous avez chaud le soir, et bien putain, heureusement que j'ai cette petite moustiquaire qui est super bien. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Petite moustiquaire. Et voilà. Si vous n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à vous abonner, à partager la vidéo. Et oui, partager la vidéo. Et puis là, moi, j'ai fait un petit nettoyage dans la toile de tente. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!
You get to hear me now.